Mon ami, je te trouve un peu froid là. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, cher ami, vas-y, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, à la rupture du jeûne, ma femme ne fait que cuisiner des plats spéciaux pour le prêtre. Elle ramasse les vrais morceaux pour aller lui donner. Et moi, son époux, elle me fait manger des résidus. Tu trouves cela normal? Non, ce n'est pas normal. Pas du tout. Mon ami, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dis plutôt par nous-mêmes. Kedoura. Michel. S'il te plaît, reviens. Tu vas avec ce panier là-haut. Je vais donner la nourriture au voisin. Quoi? Oui. Ça va pas, non? Hi. Ça te va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi très bien. On est dans le mois de carême. On ne partage pas la nourriture avec n'importe qui. On partage la nourriture avec celui qui partage et non avec celui qui ne partage pas. Hi chérie, as-tu oublié que nous sommes dans un mois de partage? Et alors? Et alors? Donc je vais avec la nourriture pour le voisin? Chérie, pardon. Oh! Non. Hi, tu l'as quitté où? Nous, on va manger ça. Quoi? Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Apporte de l'eau. Durant ce temps de carême, nous sommes invités à partager. Dans cet épisode, nous voyons deux amis qui refusent de partager, alors que ce temps nous invite à l'action de grâce au partage avec ceux qui n'en ont pas. Partager, c'est offrir, donner, pour qu'en retour, Dieu nous donne aussi. Il faut ouvrir son cœur, il faut apprendre à partager, à donner. Pas seulement la nourriture, mais aussi les vêtements, des médicaments, de l'argent. On peut aider à payer la scolarité d'un enfant orphelin ou bien qui a des difficultés, dont les parents ont des difficultés. Venir aider la Caritas en y apportant des vivres et des non-vivres pour nos frères. Nous savons que la vie est difficile en ce moment. Il y a beaucoup de pauvres qui remplissent nos quartiers, nos rues, nos villages et nos villes. Et c'est une façon pour le chrétien d'aider à soulager tant soit peu toute cette misère, cette souffrance qui est dans notre monde. Que Dieu vous bénisse.